All right, aujourd'hui, on va parler d'une technique d'entraînement qui s'appelle les clusters. Fait que les clusters, c'est une technique qui est vraiment avancée parce que ça prend une très, très bonne connaissance de ces RM pour bien l'effectuer. Fait que le cluster, il demande, le cluster traditionnel, en fait, c'est de sélectionner une charge qui correspond à notre 3 RM, 3 rep max. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire 5 répétitions en prenant une pause de 10 à 15 secondes entre chaque rep. Okay? Fait qu'au final, ce qu'on veut faire, c'est 5 reps avec une charge qu'on aurait été supposé d'en faire juste 3. Fait que c'est très avancé aussi parce qu'on joue avec des charges qui sont lourdes pour accrocher la barre souvent. Fait qu'il faut être capable de bien maîtriser ce qu'on fait. Fait qu'on va regarder ça ressemble à quoi si on ferait un back squat. Puis que si, par exemple, le 3 RM de Cédric ici, ça serait 2 plates 25. Et il a pris une charge qui, à 3, en théorie, il serait plus capable. Il va faire uniquement une rep. Il va raccrocher. Il va prendre un vrai 10 à 15 secondes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On part. Un coup encore. Surtout sur un back squat, on comprend pourquoi c'est une technique avancée. Il faut sortir, il faut se déplacer avec la charge plusieurs fois. Fait que, faut être, comme j'ai dit, en contrôle de ce qu'on fait. Il faut être habitué à faire ces mouvements-là avec beaucoup de poids avant d'ajouter une technique de cluster par-dessus. Là. Tu peux repartir pour ta troisième rep. Fait que même avec les pauses, vu que c'est son vrai 3 RM, là, rendu à 3 reps, il devrait commencer à trouver ça dur. On raccroche. On reprend 10 à 15 secondes. Idéalement, on peut être aussi spoté par un partenaire, nous assurer qu'on est capable de compléter nos répétitions. Vu qu'on joue avec beaucoup de charges, on y va pour la quatrième. Ça devrait commencer à être très dur si on a sélectionné la bonne charge. 10 à 15 secondes. Idéalement, là, notre partner il est derrière nous, il nous spot, il s'assure qu'on fait vraiment bien la dernière rep, qu'on ne restera pas à terre. On part. Ça devrait être très dur rendu à ce point-là. On va même avoir de la misère à retenir la charge jusqu'en bas. Puis là, ça se peut qu'on grind un peu la montée, on raccroche. Puis là, au final, on va avoir effectué 5 répétitions avec une charge qu'on aurait faite juste 3 habituellement.